Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver de nouveau dans ma cuisine, mais cette fois-ci c'est pas pour vous proposer des recettes de quoi que ce soit, non, je vais vous montrer un petit tuto simple et rapide pour vieillir du papier par vos propres soins. Bon, je pense que si vous avez été curieux, il existe déjà une tonne de tutos sur YouTube sur comment vieillir du papier. Je vais vous montrer ma méthode qui est, je pense, l'une des méthodes les plus connues parmi tous ceux qui aiment entre autres le scrapbooking. Et pourquoi je vais vous apprendre ceci? Eh bien, rappelez-vous, je vous avais fait un tuto sur comment réaliser votre grimoire en 3 étapes afin d'avoir un grimoire comme ceci, soit en format A4, en format A5 et avec la méthode de binding post screws, donc avec les vis de fixation. Si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous le glisse juste ici, vous avez la vidéo numéro 1, là dans le petit i qui est en train d'apparaître en ce moment même. Et je vous avais montré comment le faire avec du papier parchemin que vous pouviez acheter soit sur des sites internet, soit en papeterie. Mais là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir donner quelque chose de plus authentique à votre papier, comme si vous aviez trouvé votre grimoire dans un vieux grenier, comme les Halliwell, ou dans une cave, ou que sais-je. Et puis voilà, vous allez voir que c'est une recette et un tuto qui est extrêmement simple. Pour cela, il va vous falloir soit des sachets de thé ou du café. Alors privilégiez du café qui soit déjà moulu. Évitez tout ce qui est dosette parce que ça va vous coûter très cher. Sinon, vous allez dans votre premier magasin disponible, vous achetez du café moulu. Pas besoin d'acheter du carton noir, du café grand-mère, je ne sais quoi. Vous prenez vraiment la sous-marque de chez sous-marque de chez sous-marque, puisque c'est pas du café qu'on va boire, c'est juste du café qu'on va utiliser pour teinter notre papier. Vous pouvez aussi utiliser du brou de noix. Alors attention avec le brou de noix parce que ça teinte beaucoup. Donc il faut bien doser, ça tache en plus. Donc si vous portez des vêtements, si les torchons que vous allez utiliser, des serviettes, etc., etc., ça va vous les flinguer. Donc je vous aurais averti. Il vaut mieux partir sur soit du thé ou du café et en plus vous allez y conférer une certaine énergie à vos feuilles puisque du coup vous allez les consacrer par le café et ou le thé, qui sont des plantes qu'on utilise justement en magie. Allez, on y va tout de suite. Alors pour cela, il va vous falloir un plat ou une plaque de four éventuellement, mais quelque chose qui soit suffisamment grand pour pouvoir mettre vos feuilles à l'intérieur. Moi j'ai pris un plat classique, un plat qui va au four, qui n'est pas très grand pour des feuilles A4, mais qui est suffisant pour des feuilles A5. Si vous voulez faire avec des feuilles A5, du coup, il va falloir prendre un plat qui sera beaucoup plus grand ou même une plaque de four. Mais vous savez, une plaque de four avec des petits rebords puisque vous allez mettre votre café à l'intérieur. Donc, premièrement, vous allez prendre un petit filtre. Alors, moi, je suis désolé, c'est vrai qu'on n'est pas des buveurs de café cafetière à la maison. Donc, j'ai pas de filtre traditionnel. Donc, j'ai pris un filtre à thé avec une petite feuille de sopalin. Ça marche très, très bien aussi. Vous allez mettre votre café, alors vous remplissez selon la couleur que vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez une couleur soutenue, quelque chose qui soit assez foncé, vous allez plutôt mettre pas mal de café. Si vous voulez simplement que ça teinte légèrement, que ça fasse une petite couleur assez claire, vous allez doser votre café en fonction de la couleur que vous voulez. Moi je veux une couleur qui soit quand même assez soutenue et assez contrastée, donc je vais bien remplir mon filtre. Au préalable, vous allez aussi faire chauffer de l'eau. Il faut que l'eau soit bien chaude pour que ça puisse bien infuser avec le café et que vous puissiez extraire les colorants du café. Ensuite, tout simplement, vous allez verser votre eau dans le filtre. Si
Si vous voulez également donner une couleur un petit peu plus soutenue, vous pouvez rajouter des colorants alimentaires. Donc par exemple, si vous voulez donner un peu une couleur parchemin, papyrus à vos feuilles, en plus du café, vous pouvez rajouter quelques gouttes de colorant jaune. Vous pouvez aussi en mettre du rouge. C'est vraiment en fonction du résultat que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de clair, de foncé, moi je vous invite à faire des petits tests avec des petites quantités. Vous essayez avec des petits bouts de feuilles, vous voyez le résultat. Et en fonction, vous dosez jusqu'à trouver la bonne quantité qui vous plaira pour avoir la teinte que vous voulez. Une fois que votre café a infusé, vous pouvez retirer votre filtre. Vous laissez un petit peu refroidir. Alors, lorsque votre bain est à température, donc plutôt tiède, à tendance chaud, attention à ne pas que ce soit brûlant pour éviter de vous brûler les doigts, tout simplement. Mais il vaut mieux quand même que le bain soit tiède à chaud, ça permet de bien faire pénétrer les colorants dans le cœur de la feuille. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de les faire imbiber très longtemps. Vous allez prendre du papier classique, moi je vous recommande du papier type imprimante. Là, moi c'est du papier en format A5 qui est en 80 mg par mètre carré. C'est du papier classique d'imprimante. Attention à ne pas prendre du papier trop épais. Plus vous allez prendre du papier épais et plus ça va rajouter de l'épaisseur. Vous allez le voir, là, les feuilles d'imprimante sont quand même relativement fines. Et vous allez voir qu'une fois séché, ça a tendance à prendre une épaisseur supplémentaire. Donc ne prenez pas trop du papier épais. Sauf si, bien sûr, votre projet est pour faire type une vieille carte au trésor pirate ou un parchemin ou quelque chose qui soit décoratif à mettre par exemple dans un cadre. Oui, là, vous pouvez vous orienter vers du papier épais. Pareil, si vous prenez du papier épais, pensez bien qu'il faudra faire imbiber votre feuille un petit peu plus longtemps pour que le colorant puisse rentrer jusqu'au cœur de la matière, d'accord? Plus votre feuille est fine, moins longtemps il faudra la laisser tremper dans le bain. Donc vous allez prendre votre feuille et tout simplement vous la glissez dans votre bain. Vous allez voir. Et il suffit de faire 2-3 allers-retours. Attention à être bien soigneux. Soyez pas brusque puisque vous risquez de déchirer votre papier, sachant qu'il est détrempé, donc il est beaucoup plus fragile. Alors évidemment, bien sûr, si vous voulez un effet déchiré, vous pouvez toujours vous amuser à déchirer un petit peu les rebords. Mais si vous voulez un effet qui soit propre, j'ai envie de dire, enfin sans déchirure, soyez méticuleux quand vous manipulez votre papier. Voilà. Ensuite, il vous suffit tout simplement d'égoutter votre feuille et vous allez la poser sur un vieux torchon. Alors, c'est vraiment un torchon auquel vous ne tenez pas, d'accord? Même si le café en soi, ça se lave, on ne sait jamais, il peut y avoir quand même certaines tâches qui ne partiront pas. Donc, prenez vraiment un vieux torchon, ok? Moi, pour cette méthode, j'utilise un sèche-cheveux. Après, libre à vous de le faire aussi au four. Vous pouvez. Vous faites tout simplement chauffer votre four à 100 degrés et vous enfournez votre feuille sur une plaque pendant environ 5 minutes. Attention à bien surveiller la cuisson, d'accord? Qui dit papier dans un four chaud dit que ça peut s'enflammer. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, vous surveillez bien. Mais si vous ne voulez prendre aucun risque et si vous êtes comme moi, que vous êtes un petit peu pressé, que vous n'aimez pas trop attendre et surtout que vous avez beaucoup de feuilles à faire... Prenez la méthode du sèche-cheveux, prenez un sèche-cheveux, vous mettez en position chaud et là vous allez voir, c'est sans trucage, sans montage, je vais vous montrer à quel point c'est rapide et efficace avec le sèche-cheveux.
Et voilà, vous voyez, ça m'a pris quoi? Environ une minute pour sécher la feuille recto verso. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets que ça fait. Vous voyez, on voit que la feuille a vraiment un aspect ancien. J'ai l'impression qu'elle a pris l'humidité également. Et écoutez au bruit. Vous voyez, la feuille a même pris aussi un son qui est ancien. Et comme je vous l'ai dit, la feuille du coup a pris un petit peu plus d'épaisseur. Je vais vous montrer un exemple très concret, vous allez comprendre. Dans mon petit grimoire, à la base, il y avait tout ça. Autrement dit, il y avait 150 feuilles qui tenaient à l'intérieur. Là, il n'y en a plus que 30. Et voyez déjà l'épaisseur que ça fait. Donc attention, si vous voulez partir sur un grimoire avec beaucoup de pages, vous risquez d'être déçu dans le sens où le fait de vieillir les feuilles va donner de l'épaisseur aux feuilles et vous ne pourrez pas en mettre énormément. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat et les nuances de papier que ça peut faire. Voilà donc pour le résultat final. Comme vous avez pu voir, c'est un tuto qui est extrêmement simple, qui est assez rapide, surtout si vous avez plusieurs feuilles à faire. Ça vous coûtera absolument rien si ce n'est un paquet de café. Mais j'ai envie de dire, si vous prenez le premier prix, ça va vous coûter quoi? Allez, 1 euro le paquet de café au mieux. Les feuilles, je pense que vous en avez tous quelque part. C'est pas ça non plus qui va vous ruiner. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous y mettre, les amis. Allez, sur scène, moi, je vous embrasse fort et on se retrouve vite dans la prochaine vidéo.